maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, alors installez-vous confortablement, ça commence dans quelques instants. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné? On est impatient de le découvrir. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Ici, Benjamin Da Silva avec Omar Da Fonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante. Vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer. On va passer un bon moment. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Ballon pour une frappe. Oh, la bonne parade. Profondeur, c'est dangereux. L'occasion de prendre l'avantage. Ah, le plongeon est nécessaire pour intervenir. Oh, le tir. Incroyable parade sur cette action. Ah, voilà un ballon bien gratté là. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et oui, le danger qui est écarté. Le ballon est récupéré. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et c'est le moment de déclencher. Et le ballon heurte le poteau, ça joue. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. 5 minutes à jouer et toujours ce score de parité. Occasion avec cette frappe et but. Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne opportunité. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes dedans habituellement. Intervention du gardien. C'est terminé, l'arbitre siffle donc la fin du match et les Nantais sont heureux. Voilà 3 points de plus pour les Canards. Une victoire dans la douleur et qui est finalement arrivée en toute fin des matchs avec ce but de la délivrance.